Bonjour à tous. Merci de joindre ce Bright Talk. Je me présente Pascal Gaspe, architecte DevOps chez CA Technologies. Je vais vous présenter aujourd'hui la solution CA BlazeMeter. Comme c'est un Bright Talk, je me permets de vous rappeler que si vous avez des questions, vous pouvez les poster dans le chat. Et j'y répondrai en fin de session. Allons-y. CA BlazeMeter, et ou comment démocratiser les tests de perf dans votre Continuous Delivery chaîne ou ces Continuous Integration chaîne. Aujourd'hui, l'agenda que je vais vous proposer est le suivant. On va commencer par une petite introduction. Ensuite, je vais essayer de poser quelques termes de définition sur l'application de test performance pour ensuite faire survoler la solution BlazeMeter, suivi d'une petite démo et une petite discussion autour de comment intégrer le test de performance continue dans votre cycle de vie de vos applications. Ok, on y va. Alors, aujourd'hui, on le sait tous, hein, l'économie des applications évolue de plus en plus vers l'économie des API. En fait, les API deviennent des applications en elles-mêmes. Les API ne sont plus seulement des mécanismes techniques qui permettent d'exposer des applications, d'exposer les systèmes d'information ou des briques d'intégration d'applications, mais elles deviennent de vraies opportunités de génération de revenus ou de partenariats. On va prendre des sites tels que Amadeus qui expose l'intégralité de ses API sur la réservation de vol pour des tour opérateurs qui développent leurs applications autour de cette île. On va ajouter à ça le contexte, le changement de paradigme d'architecture qui sont les architectures de microservices, qui voient se démultiplier des API, qu'elles soient privées ou publiques, une vraie démultiplication, une démultiplication rapide. Donc ça pose vraiment la question au-delà des API, mais même de ces applications qu'on expose de manière le test de ces applications de manière efficace et efficiente devient une fonctionnalité indispensable de cette économie des applications. En fait, très clairement, les applications doivent être testées. On sait aussi que en face de tout ça, en face de vos applications, les utilisateurs finaux consomment vos applications. En 3 minutes, se sont fait leur idée sur l'application, s'ils vont continuer à rester pérennes sur cette application ou juste passer à une autre application. Donc ça veut dire qu'il est essentiel sur ces applications de fournir une très bonne expérience utilisateur, une très bonne navigation, mais aussi que ces applications répondent dans des temps de réponse rapides. Afin de satisfaire ce besoin. Donc on peut donc dire que ça nous amène à dire que les tests de performance sont critiques, deviennent critiques dans ce business dans ce nouveau business. Le pire des cauchemars hein, sur une application, c'est quoi? C'est que vous êtes en production sur une période de gros trafic. On va prendre le Black Friday, les soldes, des départs en vacances ou les choses comme ça. Et votre site ne tient pas la charge. Le site tombe ou répond en des temps très lents. Ça vous expose à des risques de perte de revenus. Non seulement des risques de perte de revenus, mais aussi, comme on est dans une économie de partage, les gens tweetent, les gens partagent, les gens notent, et donc ça peut aussi impacter votre réputation, avec des gros impacts sur votre business et sur votre compagnie.
Maintenant que j'ai un peu introduit l'idée de la du test de performance, je vais essayer de poser je posais quelques définitions sur qu'est-ce que les tests de performance d'une manière générale. Les tests de performance, c'est le test de performance, c'est un processus c'est le processus qui permet de déterminer la vitesse ou l'efficacité d'une application et de ses ressources utilisées. On va chercher à mesurer pendant les tests de performance, les temps de réponse, le débit ou l'utilisation des ressources du système utilisé par votre application. Ces ressources, ces mesures que l'on va faire, on va pouvoir et on va pouvoir les comparer avec les différentes versions de votre application tout au long du cycle de vie de votre application pour vérifier si on subit des dégradations ou une amélioration des temps de réponse. On va aussi pouvoir essayer de comparer ces temps de réponse avec des systèmes concurrents, par exemple, parce que ça peut être très clairement un différenciateur par rapport à vos concurrents. Juxtaposé à ça, on va avoir les nouvelles méthodes, les nouvelles approches agiles. Et le nouveau paradigme DevOps où en fait la cadence de livraison des applications est devenue très élevée. Globalement, dans les organisations, les équipes de performance deviennent le goulot d'étranglement dans le processus des tests de perf. Ils ne sont pas capables de suivre, impossible de suivre la cadence de livraison en termes de tests de perf. Donc, ce qui crée deux choix. L'un, on va livrer en production sans avoir testé en perf et donc s'exposer en risque, ou créer des délais sur la livraison de ces applications sous peine de parce que l'on veut absolument passer à des tests de performance. Quelques points sur quelles sont les bonnes pratiques en termes d'exécution des tests de performance. Selon nous, les bonnes pratiques sont les suivantes, hein. Premièrement, quand vous exécutez des tests de performance, vous devez vous assurer que votre application tienne une fois et demie la charge attendue, de façon à ce que si on est confronté à un pic de charge, on soit capable de la supporter. Vous devez aussi, pendant l'exécution des tests de charge, être capable de jouer les scénarios les plus significatifs de navigation ou d'utilisation de vos applications. Non seulement de façon unitaire, mais aussi les juxtaposer avec les différents scénarios qui correspondent à une petite journée de votre application ou les différents features de votre application. D'accord? Mais aussi en fonction de vos business, on doit aussi pouvoir exécuter ces tests sur différentes géolocalisations. Que ce soit un business qui soit purement européen ou un business qui soit international, pouvoir faire des tests de bench et savoir comment votre système va répondre si on est basé aux US ou au Japon. L'autre élément essentiel de cette bonne pratique est aussi la capacité de rendre vos tests de performance répétables et automatisables. Parce qu'on va chercher, afin de résoudre la problématique de coulée d'étranglement, chercher à automatiser et intégrer vos tests de performance dans votre chaîne d'intégration ou votre chaîne d'intégration continue ou de delivery continue. Et dernier élément assez important, c'est plus on va chercher à faire ces tests sous forme de micro-bench au plus tôt dans le cycle en impliquant les développeurs, moins on risque d'avoir des surprises en bout de chaîne. En pré-production ou en production. Donc on va chercher à faire une intégration et impliquer les développeurs dans les tests de performance au plus tôt. Donc voilà un petit peu les quelques définitions qu'on pourrait poser et bonnes pratiques qu'on pourrait poser sur les tests de performance. Je vais maintenant vous présenter la solution BlazeMeter, où on va essayer de faire une vue d'ensemble de BlazeMeter. On suivra une démo voilà. Donc, BlazeMeter est une plateforme unique qui va permettre de résoudre les problèmes qu'on a cités précédemment ou traiter les points qu'on a cités précédemment dans les bonnes pratiques. C'est une plateforme unique qui va vous donner la capacité à partir du cloud de tester vos applications, mais que ce soit à partir du cloud ou derrière votre firewall. On va être capable de vous fournir les éléments de stress, même si vous êtes
Vous avez des applications qui sont hébergées derrière un firewall. On va, comme élément d'accélérateur, vous permettre de reprendre vos scripts que vous avez écrits, les scripts open source que vous avez écrits par vos développeurs, hein, vos scripts JMeter, vos scripts Selenium, vous permettre de les reprendre et de les exécuter. Ou même vous faire fournir, vous le verrez tout à l'heure dans la démo, des accélérateurs de création de scripts d'automatisation. Avec BlazeMeter, vous allez aussi pouvoir faire des tests à l'échelle, des grands tests à l'échelle, sans limite, que vous allez pouvoir intégrer dans votre chaîne d'intégration continue. Et enfin, l'un des éléments importants de BlazeMeter, c'est aussi sa facilité d'usage, hein. La solution a été construite pour rapidement monter en puissance sur la solution, avoir un ramp-up rapide sur la solution. Vous verrez que par trois simples, une dizaine de clics, on va pouvoir lancer ces tests de performance. Elle vous fournit aussi des ensembles qui vont permettre de vous intégrer à votre différentes briques de votre entreprise, type votre chaîne d'intégration continue, Jenkins, Bamboo, quelle qu'elle soit. Vous fournit des command lines pour pouvoir piloter depuis vos outils de prédilection les tests de bench, ou bien et aussi vous permettre de vous intégrer à vos différentes outils de monitoring d'APM. BlazeMeter va vous permettre aussi, enfin, avec BlazeMeter, on va pouvoir, l'un des éléments tout à l'heure que je présentais, c'était la capacité de lancer ces tests de perf sur différentes géolocalisations. Avec BlazeMeter, on couvre les trois grands providers de cloud. Et donc, on couvre plus de 30 cloud localisations qui sont, bah, en fait, on va pouvoir couvrir Amazon, Google et Azure. Mais ce n'est pas tout. En fait, on pourra aussi utiliser et déployer des conteneurs légers, des conteneurs de type Docker léger dans vos infrastructures afin de piloter vos tests de perf, comme je vous expliquais tout à l'heure, ou dans votre cloud privé, ou derrière votre firewall, sans dégrader les perfs sur votre firewall. À travers tout ça, ce BlazeMeter, ça va vous permettre de vous positionner sur l'intégralité de votre chaîne de test continu, en fait, aussi bien en poussant le shift left, comme je l'expliquais tout à l'heure, à travers promouvoir au plus tôt la construction de ces scripts et ne plus attendre que les équipes de bench récupèrent des requirements pour pouvoir écrire leur propre script de perf et profiter par ce biais au niveau des développeurs de pouvoir lancer des microbenches, et ces microbenches pourront ensuite, en fonction de l'environnement, être promus et testés dans des environnements qui vont être de plus en plus costauds et quitte jusqu'à la production. Donc de notre côté, chez CA Technologies, on promeut le shift left et le shift right sur cette technologie. Qui sont shift left pour nous, c'est tester au plus tôt pour pouvoir détecter au plus tôt les anomalies, permettre aux développeurs de mieux muscler leur code grâce à ces tests de microbench et détecter au plus tôt les effets pour éviter d'avoir détecter au plus tôt les erreurs pour pouvoir éviter d'avoir des défects en production. Quant au shift right, le shift right consiste pour nous à pouvoir, grâce à BlazeMeter, pouvoir tester votre application en production et vérifier si elle correspond aux attentes décrites, les attentes techniques décrites, c'est-à-dire est-ce qu'elle va être tester des mécanismes de failover, tester des mécanismes de résilience, tester la performance et les temps de réponse et pouvoir les analyser en permanence pour pouvoir s'améliorer aussi bien sur l'architecture que sur l'application elle-même. Je vais essayer de passer un petit peu de temps maintenant pour vous expliquer les différents scénarios d'usage de BlazeMeter, comment on pourrait descendre un petit peu en profondeur sur comment on pourrait
On peut déployer BlazeMeter et utiliser BlazeMeter à l'échelle d'une entreprise. Vous avez plusieurs types de scénarios. Le premier scénario, c'est votre application est en production ou dans un cloud public, auquel cas vous vous connectez sur BlazeMeter.com et vous pouvez déployer vos scripts d'injection et BlazeMeter va s'instancier, déployer, tester votre application qui est exposée sur un cloud public. Deuxième option, vous avez un site complètement on-premise, auquel cas nous allons pouvoir vous déployer, vous fournir des Docker instances qui vont être pilotées par notre BlazeMeter dashboard et lancer des injections à l'intérieur de votre site. Troisième option, vous avez un virtual un peu similaire à la précédente hein, pour les environnements de dev et de test. Vous avez un virtual cloud privé. Nous vous fournissons des images Docker et pouvons piloter vos tests de perf à partir de BlazeMeter les injections se faisant de l'autre côté de votre firewall. Tout ça pourra être piloté par les développeurs à partir de leur IDE. En utilisant le framework Taurus. Le Taurus étant un framework open source que CA Technologies et l'équipe BlazeMeter a commité en open source depuis quelques années. Ce framework permet de lancer à travers des lignes de commande ou à partir de simples d'écrire à travers de six fichiers des fichiers YAML le processus d'exécution des tests de perf. Donc les développeurs vont pouvoir piloter leurs tests et récupérer un rapport d'exécution qui sera à l'identique d'un rapport d'exécution BlazeMeter lancé à partir de la console, du dashboard de BlazeMeter. Autre scénario, les développeurs peuvent aussi comiter leur script Taurus dans leur infrastructure et ensuite être ramassé par votre plateforme d'intégration continue ou de release automation pour pouvoir lancer cette campagne à plus grande échelle, sachant que précédemment les développeurs lançaient dans une échelle modeste, single utilisateur ou 10 utilisateurs afin de ne pas saturer leur machine. Mais ensuite on pourrait piloter à travers la Continuous Integration complètement l'ensemble de l'exécution et le déploiement des tests à plus grande échelle. Voilà, je vais vous présenter maintenant un petit peu, enfin une démo de la solution. On va essayer de faire un tour de la solution. Je vais juste pouvoir partager mon écran. Attendez quelques minutes. Voilà. Vous allez donc pouvoir suivre mon écran. OK. Vous êtes ici sur le dashboard de BlazeMeter, hein, BlazeMeter.com. On va s'authentifier sur le site BlazeMeter.com. Donc en fait, vous allez pouvoir dans BlazeMeter, vous avez une notion de workspace, vous avez différents workspaces, des espaces de travail, vous avez la capacité de gérer vos comptes et de rajouter des utilisateurs, associer des utilisateurs à votre workspace. Ce qui vous permet ainsi de créer différents profils qui vont pouvoir ou lancer des tests ou consulter des rapports d'exécution ou créer des rapports d'exécution. Revenons à notre page. Ici, dans le dashboard, vous allez pouvoir voir pour un workspace particulier l'ensemble des tests qui ont déjà été exécutés et leurs différents statuts. Vous avez deux options à travers BlazeMeter. Donc la première, le menu qui va vous permettre de voir les rapports d'exécution, de suivre vos rapports d'exécution, et un menu qui va vous permettre de créer des tests BlazeMeter.
Nous allons, dans ce cas-là, après, commencer par créer un test BlazeMeter. Donc, la création de test de BlazeMeter, vous avez plusieurs options là de création de tests. Vous pouvez créer des tests BlazeMeter à partir de votre script JMeter, à partir d'API, d'URL que vous avez dans votre d'URL que vous voulez tester. Vous allez pouvoir faire des tests, des multitests, les multitests étant la capacité d'exécuter différents scénarios de tests en même temps. Avec des courbes de charge plus ou moins différentes. Des tests Taurus, c'est-à-dire les scripts Taurus écrits, Taurus étant un framework d'abstraction qui vous permet d'exécuter vos tests quel que soit le langage sous-jacent, que ce soit du JMeter, du Selenium ou du Grinder. Vous allez pouvoir les encapsuler au travers de Taurus et ensuite les importer dans BlazeMeter afin qu'ils soient exécutés. WebDriver qui permet de lancer des tests à partir d'enregistrement de votre GUI, de votre IHM ou des API test fonctionnels où vous allez pouvoir faire des tests à travers une des fonctionnalités de BlazeMeter est aussi de vous permettre de faire des tests de vos API. On va prendre vos Swagger files ou bien un exemple de requête réponse et on va vous générer un ensemble de tests fonctionnels sur vos API. On va commencer par créer on va créer le test depuis JMeter. Donc là, il me faut vous arrivez quand vous cliquez sur créer test, vous allez pouvoir avoir un test qui doit être déployé, la configuration de ce test. Donc, on va devoir commencer par créer ce test. Alors, BlazeMeter a mis en place là aujourd'hui, je n'ai pas de script JMeter que je pourrais déployer de façon simple. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va le créer ensemble. On va utiliser cette petite application, qui est une petite application de démo qu'on fournit avec BlazeMeter, sur lequel on va pouvoir booker un voyage entre Paris et Buenos Aires et ensuite choisir le voyage et booker un voyage. Donc, pour créer un script JMeter, nous fournissons à travers BlazeMeter un facilitateur. On fournit un plugin Chrome qui vous permet de faire des enregistrements de script et créer vos scripts JMeter. Donc, vous trouverez le lien en tapant BlazeMeter plugin dans Chrome et vous trouverez ce petit plugin. Donc, moi, j'ai déjà préalablement installé. Donc, le plugin se présente de la sorte. Vous allez pouvoir avoir la capacité de créer un nom d'enregistrement. Et lancer l'enregistrement. De là, nous allons pouvoir commencer l'enregistrement du step de script. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir dire je veux un vol entre Paris et Rome. Les requêtes ont été enregistrées. Ensuite, on va pouvoir dire sélectionner ce type de vol. Fournir une carte et passer la commande. Voilà. Voilà mon scénario que je viens d'enregistrer. Je vais maintenant pouvoir sauver ce scénario. Je vais arrêter l'enregistrement. Revenir ici. Et donc, je vais pouvoir directement le lancer
dans Blaze Meter. On a fait l'enregistrement et on va vouloir que le test soit directement exécuté depuis Blaze Meter. On va pouvoir l'éditer dans votre browser ou tout simplement l'exporter ou le sauver. Hop, ce que je vais faire, le sauver sous format JMeter sur ma machine que je vais retrouver. Voilà, donc si j'ouvre ce petit fichier, on va voir que on a un script JMeter classique qui a été généré sur, et on va retrouver mon scénario. Donc si je suis un développeur, je peux très bien reprendre ce script et puis l'exécuter, et ça fera exactement le même scénario, et on pourra changer le nombre d'utilisateurs simultanés, le ramp-up, etc., etc. Chose que je ne dois pas faire ici, puisque ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir lancer ce test à partir de BlazeMeter. Donc, je reviens dans BlazeMeter, et à ce moment, je vais pouvoir déployer mon test dans BlazeMeter. Je retrouve mon test ici. Maintenant, je vais pouvoir ajouter des critères à ce test afin de, si par exemple on l'intègre dans la plateforme d'intégration continue, des KPI qui vont vous permettre d'identifier si le test failed ou pas. Et donc voilà, bon, par exemple, on va partir sur un KPI sur le temps de réponse moyen. Si le temps de réponse moyen est inférieur à 100 millisecondes, supérieur seconde, on va faire, on va lui dire que c'est trop lent. Appliquer. On pourrait arrêter le test, on va pas le faire, on va lui dire que c'est trop lent. Ce que va vous permettre aussi de faire BlazeMeter, c'est pouvoir émuler vos cartes réseau. On va pouvoir émuler différents types de cartes réseau. Il s'agit bien de l'émulation de cartes réseau, c'est-à-dire on va pouvoir instancier nos différents injecteurs avec les caractéristiques réseau que l'on a définies ici. D'accord? Donc ça vous permettrait de voir une solution, utiliser cette fonctionnalité, va vous permettre de voir quel est l'impact de votre application sur l'utilisateur final, s'il utilise un téléphone pour accéder à votre application, ou s'il utilise un Wi-Fi ou un réseau filaire. Donc voilà. Ensuite, élément de diagnostic également, on va pouvoir s'intégrer aux outils d'APM, ce qui permet d'avoir un feedback. Non seulement puisque BlazeMeter va pouvoir vous donner le diagnostic sur côté consommation, donc exécution du test et temps de réponse de votre application côté utilisateur final, mais on va pouvoir les juxtaposer à vos métriques côté serveur. Et donc d'identifier au plus vite les anomalies qui pourraient se passer, que ce soit sur tel ou type de serveur ou tel sous-brique de votre application. On s'intègre aux différents outils d'APM du marché, CAAPM, New Relic, que ce soit Dynatrace, AppDynamics, etc., etc. Si vous avez des jeux de données à fournir à ce test, vous allez pouvoir les ajouter à travers, pouvoir les déposer dans comme étant un attachement à votre test, et ensuite d'avoir la capacité de les splitter afin qu'elles ne soient pas répétées, que vous évitez les doublons. Donc maintenant qu'on a créé le test et défini les caractéristiques du test, on va pouvoir dire comment on veut l'exécuter. Donc à ce moment-là, on va pouvoir choisir le lieu d'exécution. On pourrait prendre Tokyo, mais on va pouvoir l'exécuter sur ma private location, ma machine, ma propre machine, on va prendre Francfort, par exemple, l'exécution sur Francfort.
Ensuite, on va pouvoir définir les temps de les temps le nombre d'utilisateurs simultanés. On peut dire qu'on veut on peut aller jusqu'à l'infini hein, comme je vous ai expliqué ou décider de voilà on va dire on voudrait je vais prendre quelque chose 200 utilisateurs par voilà 200 utilisateurs. Je pourrais les répartir sur plusieurs engines, plusieurs moteurs d'injection, en disant une centaine par moteur d'injection. Voilà, je resterai sur mes 200. On peut aussi définir la limite des requêtes par seconde, ce qui évite un effet d'engrangement au moment de l'exécution des tests, hein, pour éviter d'avoir un gros goulet, un gros tir hein, qui arrive avec tout en simultané, ce qui saturerait plutôt la carte réseau que l'application. Donc on pourra créer une limite, on peut définir le ramp-up et le temps d'exécution. On va nommer ce test. On va pouvoir sauver. À ce moment, je peux très bien lancer le test de façon unitaire ou je peux très bien aussi créer un test CDN. Un test CDN consiste à un test sur les différentes plaques. Si on clique ici, on va avoir les émetteurs qui vont vous faire une suggestion sur où est-ce qu'on pourrait exécuter et lancer des engines pour pouvoir faire les tests, le même test sur plusieurs plaques. Donc je vais pas faire. Donc on va prendre par exemple, bah, là on est aux US, on va essayer de prendre l'Europe, Londres, on va laisser aux US une partie, on va mettre l'Asie. On va mettre toujours un peu l'Europe aussi, etc. Le Canada, l'Australie, le Brésil. Je vais chercher hop. Et différents, l'Irlande et différentes. Voilà. On peut voir ici qu'en fait, j'ai mixé entre du Google Cloud Platform, de l'Azure, de l'Amazon. Ah, je n'ai pas pris d'Azure, je vais prendre une plateforme. Aussi une plateforme Azure en Irlande. Et voilà. Donc là, je vais pouvoir créer mon test et le sauver. Un test CDN. Voilà. Donc une fois sauvé, je vais pouvoir lancer le test. Il va déterminer combien de consoles j'aurai besoin, combien d'engines et combien d'utilisateurs simultanés pendant le temps prévu. Je le fais démarrer. Et à ce moment, on va voir qu'il est en train d'instancier les différents injecteurs sur les différents data centers ou les différents cloud centers que j'avais demandé. Donc le temps de construction, bon, il faut voir à peu près 10 minutes. On ne va pas attendre 10 minutes. J'ai déjà préalablement lancé le même test pour plutôt analyser les tests et voir les dashboards qui en résultent. Voilà. Voilà un test CDN que j'ai déjà lancé. Donc on va voir un exemple. Ceci est un exemple de dashboard qu'on va pouvoir récupérer. On va récupérer le graphe de prime abord, un résumé de l'exécution, hein, la bande passante, les temps de réponse pour les 90% tils, le temps de réponse moyen, le nombre d'erreurs, et le nombre de hits et le nombre de virtual users nécessaires pour l'exécution de ce test. On voit ici que bah, on constate une dégradation, enfin une dégradation, une très bonne, un bon temps de réponse et puis un temps de réponse qui stagne sur la durée dans l'exécution du test. Donc voilà. Donc ensuite, on va pouvoir, grâce à BaseMeter, ce rapport va vous permettre de, hop, ensuite d'analyser le Timeline Report.
Timeline Report permettant de voir dans le temps différents KPI, le nombre de virtual users qu'on va pouvoir enlever, le nombre de hits, le nombre d'erreurs. Progressivement, on peut les enlever, le nombre d'erreurs, pas d'erreurs, et les temps de réponse, ce qui pourrait nous intéresser. On constatera aussi qu'on peut, on peut aussi analyser les requests statistiques. Les statistiques de request, et on va avoir différentes colonnes. Donc pour chaque transaction, on va pouvoir déterminer les temps de les 90 % centiles, les 100, les 95 et les 99 % centiles. On va avoir les temps de réponse de l'application. Ces données peuvent être exportées sous format CSV. Ce qui est important aussi quand on exécute des tests de perf, donc là on n'avait pas de. Pendant l'exécution de mon test de perf, j'avais pas d'outil d'APM, mais ce qui est quand même de toute façon important, c'est de savoir quel était l'état de nos engines, de nos moteurs d'injection, pendant l'exécution du test. Parce que si un injecteur sature, oui, effectivement, le rapport sera de mauvaise qualité, mais c'est juste non pas parce que l'application se dégrade, mais c'est parce que l'engine était en train de saturer. Un outil d'APM permet d'éviter de le voir immédiatement. Il n'empêche que voilà, on va pouvoir ici déterminer si l'engine saturé ou pas, et on va voir le comportement des engines. On va pouvoir superposer les différents engines, regarder les différents engines. Ça va prendre un tout petit peu de temps, voilà, consulter l'état, la CPU. La CPU, pas tellement sollicitée, les I/O qui augmentent de plus en plus sur cet engine, et les connexions qui, voilà, fin de cycle, s'arrêtent complètement. On va pouvoir également suivre vos erreurs. Hein, si pour ceux qui répondent de voilà, tous ces tests sont en anomalie, puisque le temps moyen de réponse est bien supérieur à 100 millisecondes. Donc voilà, on se rend compte que voilà, si on avait à plugger ce qui fait que le test est failed, si on plug ça dans une interface d'intégration continue, on va récupérer ce fail et donc on va pouvoir notifier à l'utilisateur qu'on a un temps de réponse ou un KPI qui est pas qui ou une fêlure pendant l'exécution du test. On va pouvoir aussi analyser toutes les erreurs hein, qui ne sont pas des erreurs. Et ensuite, on va pouvoir également exporter la log de chacune des consoles. Voilà, on va pouvoir pour chacune des machines, on va pouvoir récupérer la log pour analyse a posteriori. Donc voilà. On va pouvoir aussi revenir sur le test et analyser, vérifier voilà, qu'est-ce qu'on a lancé, pour quelles caractéristiques et dans quel type de network. Une fois que ce test est exécuté, ce que l'on va pouvoir faire, c'est également publier un executive report, un rapport pour les différents contributeurs du projet ou de l'application pour donner l'état de santé de l'exécution des perfs. Cet executive report peut permettre de très rapidement fournir à l'ensemble de vos équipes les informations nécessaires de l'exécution du test de perf et mobiliser les gens sur l'exécution de ces tests. Dernière chose qu'on peut faire aussi à travers BlazeMeter, on va pouvoir aussi, et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, donc si on est dans un processus d'amélioration continue, on va également pouvoir comparer, tant qu'il charge, petite minute, le temps qu'il charge. Voilà. On va pouvoir comparer les, excusez-moi, on va comparer les reports. Voilà. Vous allez pouvoir, bon, en fait, celui-là est toujours en train de jouer, donc on va pouvoir comparer avec un autre test, mais à tout moment, vous pouvez, hop, comparer deux campagnes. Alors, ce sont des campagnes qui n'ont absolument rien à voir.
mais juste permet de juxtaposer l'exécution de vos tests et de voir les deltas entre. Voilà, voir les deltas entre les deux exécutions. Voilà, donc voilà. Nous revenons sur notre présentation. Voilà pour la démo. Quelques mots sur l'intégration du test continu dans votre cycle quelques mots sur l'intégration des cycles dans votre cycle de vie de vos applications. Donc en fait, j'en ai un petit peu parlé pendant la démo, en fait on va vite avoir un feedback. Avec BlazeMeter, vous allez très rapidement avoir un feedback de l'impact d'une modification sur l'impact d'une modification de code sur votre application en termes de performance. Grâce à la définition des différents critères les différents KPI, les développeurs vont pouvoir committer leur code, l'application Jenkins va pouvoir. Votre moteur d'intégration continue, hein, je cite Jenkins puisque c'est le plus connu, mais le moteur d'intégration continue va pouvoir lancer vos tests à travers BlazeMeter. Et en fonction du statut du test, on va pouvoir être notifié de l'impact de la modification. On peut imaginer qu'à chaque commit, cette campagne est exécutée puisque vous avez accès à cette plateforme, vous n'avez plus de contraintes d'instanciation des plateformes d'injection puisqu'elles vont se faire à travers les lignes de commande. Quelques mots aussi sur la capacité de Taurus de s'intégrer. On fournit dans Taurus, excusez-moi, BlazeMeter de s'intégrer. On fournit dans BlazeMeter des plugins pour vous intégrer à vos plateformes d'intégration continue de type Jenkins ou TeamCity. Mais vous avez aussi la capacité de lancer tout cela par des lignes de commande ou à noter BlazeMeter est complètement RESTful. C'est-à-dire que toutes les fonctionnalités que vous avez vues à travers le portail sont accessibles à travers des API que vous allez pouvoir intégrer dans vos outils, en interne. Donc, juste pour revenir là-dessus, c'est vrai que BlazeMeter s'intègre aussi bien dans tous les Continuous Integration et Continuous Delivery Platform, mais aussi dans les majeures solutions d'APM, type, comme je l'ai cité tout à l'heure, AppDynamics, CA, APM, New Relic, etc. La BlazeMeter se déploie également, on va parler maintenant des injecteurs sur des plateformes type OpenShift ou Amazon Service. En termes d'intégration continue, je l'ai cité tout à l'heure, on peut très bien imaginer un cycle d'intégration continue où à chaque commit, c'est la plateforme d'intégration où à chaque commit, on fait un build et on fait lance des tests de performance à chaque build. Ça serait, et on est notifié par les KPI du failing, de l'erreur potentielle sur la perf, et tout cela dans votre chaîne d'intégration continue. Pour finir, juste un résumé, hein, en fait, ça vous permet, BlazeMeter vous permet d'être agile dans l'exécution de vos tests de perf. On a levé pas mal de contraintes puisqu'on n'a plus besoin enfin, on enlève la contrainte du goulet d'étranglement côté équipe de performance puisque chacun est maintenant maître de l'exécution de ces tests de perf. Vous allez pouvoir réutiliser vos scripts qui ont été écrits en amont par des développeurs de type JMeter, etc., etc., tout au long de votre chaîne, que ce soit par les développeurs que par les équipes de perf qui vont ensuite renverser les scripts, quel que soit, et on est complètement compatible avec ces outils open source, on va pouvoir vous faire des tests à grande échelle sur des applications de type mobile, des applications de type web, et enfin, la force de BlazeMeter. Être complètement RESTful, hein, complètement intégrable à travers des API REST, mais aussi la capacité de s'intégrer dans la plateforme d'intégration continue et l'interaction avec des outils d'APM
qui vous permet d'un diagnostic plus profond de vos applications. Voilà, j'espère que j'ai été complet dans ma présentation. Il nous reste une petite quinzaine de minutes. Je suis ouvert à vos cinq minutes. Je suis ouvert à toutes vos questions. Première question, où doit-on aller si l'on veut tester Taurus? Taurus est un framework open source, framework de test open source. Vous allez pouvoir y accéder en allant sur le site gettaurus.com, sur lequel vous allez pouvoir trouver, un tutoriel comment se démarrer avec Taurus. Quel est le modèle de pricing? Effectivement, le Taurus, l'Esmeter a un modèle de pricing assez simple. Dans un premier temps, vous allez pouvoir l'essayer. On pouvait créer un compte free pour pouvoir essayer la solution et ensuite pouvoir en fonction de votre usage avoir un modèle de facturation qui va être au nombre de virtual users que vous avez besoin d'exécuter, le nombre de tests en parallèle. Quid de la reprise des scripts Microsoft Focus? Nous avons mis en place un site qui permet de portage de vos scripts LoadRunner, excusez-moi, de vos scripts LoadRunner. Le site qui va vous permettre de porter, alors on va dire, 80% de ces scripts de LoadRunner. Le site c'est shiftleftblazemeter.com. Vous allez pouvoir trouver un petit moteur de portage sur shiftleftblazemeter.com. Question suivante. Les différenciateurs par rapport à des solutions telles que MicroFocus. Nos principaux éléments différenciants sont les suivants. Hein. Le premier point c'est nous sommes très 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 orientés web et un ramp-up très rapide et un coût très très modeste. Nous sommes très ouverts sur des scripts de type JMeter. Donc on va voir que dans les processus classiques, les scripts JMeter sont écrits par des spécialistes LoadRunner, mais qui repartent de définitions faites par la spec. Et en fait, aujourd'hui, on pourrait imaginer un cursus où les développeurs, à partir de leur script JMeter, pourraient être redéployés dans la plateforme et exécutés en test de perf sans effort additionnel. Voilà. Pas d'autres questions. Je vous remercie tous. Nous devons mettre fin à la session si je n'ai pas d'autres questions. Merci. Bon après-midi à vous. Au revoir.